Bonjour à tous. Merci d'être présents à cette table ronde que nous allons animer, Olivier Dassonville et moi-même. On va se présenter rapidement. Donc, je suis Aurélie Pénaud, directrice du développement touristique au Voyage à Nantes. Et Olivier nous conseille et nous suit sur nos stratégies sur les réseaux sociaux. Tu veux peut-être compléter, Olivier ? Oui, ça fait quelques années déjà que j'accompagne Voyage à Nantes sur certaines expérimentations qui deviennent après des choses un peu gravées dans le marbre. Donc on a commencé avec un peu à l'arrache sur la nuit du Voyage à Nantes il y a pas mal d'années. Et puis maintenant, on se retrouve face à un dispositif hyper complet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ok, alors on y va. Je vais juste vous resituer un petit peu le voyage à Nantes et puis ses activités. Hein. Donc c'est une SPL, une société publique locale, qui a été créée en 2011, qui est dirigée par Jean Blaise, un homme de la culture à Nantes, qui a suivi le développement culturel de Nantes depuis 30 ans. Et ça, c'est important dans notre dispositif de communication. Vous le verrez. Donc la culture et la créativité sont vraiment les bases du positionnement de Nantes. La SPL a été créée pour positionner Nantes, pour faire de Nantes une destination touristique à part entière, sur la base du dispositif culturel qui avait été créé depuis de nombreuses années, avec notamment des sites que l'on gère aujourd'hui au Voyage à Nantes, qui sont le Château des Ducs de Bretagne, les Machines de Lille, le parcours d'art contemporain estuaire entre Nantes et Saint-Nazaire, mais aussi la Habe Galerie, le Mémorial de l'abolition de l'esclavage, les cryptes de la cathédrale, etc. Donc tout un dispositif culturel que l'on a que Jean Blaise a eu l'idée de regrouper dans un parcours qui est celui que vous connaissez bien sans doute maintenant, qui est celui de la ligne verte. Donc une ligne qui s'est étendue cette année jusqu'à des quartiers un petit peu périphériques du centre-ville et notamment sur la butte Sainte-Anne. L'objet de départ et la réflexion de départ, c'était de se dire que Nantes n'a pas un seul monument suffisamment emblématique pour la positionner au niveau international, comme Guggenheim, à Bilbao par exemple, ou d'autres. Mais que c'est cette addition d'offres culturelles extrêmement qualitatives, étonnantes, surprenantes, avec un positionnement différent. Et c'est cette addition qui faisait finalement la singularité de Nantes. Donc cette ligne verte, elle fait, je crois, 18 kilomètres et il faut quasiment une semaine maintenant pour la parcourir dans sa globalité, si on veut vraiment faire le tour de toutes les installations, notamment l'été, puisque, vous le savez aussi, l'événement est vraiment au cœur de la stratégie du voyage à Nantes. Très vite, dès le lancement du voyage à Nantes, Jean Blaise a imaginé un événement pour donner à voir ce parcours, pour donner à voir cette exception culturelle nantaise. En faisant appel à l'ensemble des opérateurs culturels de Nantais, donc l'ensemble des musées, l'opéra, les écoles de design, d'architecture, etc. Tous les opérateurs qui ont quelque chose à dire au niveau culturel dans cette ville, et en faisant appel également à des artistes, de grands artistes, qu'ils soient locaux ou nationaux, internationaux, pour venir donner à voir cette ville, pour venir l'interpréter. Donc vous voyez, c'était la 8e édition du Voyage à Nantes cet été. Alors le Voyage à Nantes, c'est à travers cet événement l'occasion qui nous est donnée
de transformer profondément cette ville et d'apporter des éléments nouveaux, et notamment toutes ces installations dans l'espace public, ces créations, ces œuvres d'art qui viennent animer le quotidien des Nantais. C'est une collection sans doute unique en Europe d'art, la plus grande collection d'art public d'Europe, dit Jean, qui est donc à faire valoir maintenant toute l'année. Alors si l'événement du voyage à Nantes est notre fer de lance, c'est vraiment celui qui mobilise pour l'essentiel, notre enjeu aujourd'hui, c'est bien de communiquer tout au long de l'année. Alors pendant l'événement, et notamment à son lancement, avec la nuit du van. Olivier, peut-être que tu... Alors, peux... la nuit du van, c'est devenu effectivement un rendez-vous incontournable pour les Nantais, mais pas que. Donc, il y a, il me semble, je crois que c'est il y a 5 ans, j'avais sollicité par le voyage à Nantes pour trouver une manière de communiquer intensivement, justement, pendant cette nuit qui est celle de la révélation de l'ensemble des œuvres qui compose l'édition en cours. Et donc, on avait opté pour à la fois un live tweet et puis aussi donc une découverte en même temps que les gens, mais sur Twitter, avec des photos, des vidéos. Et aussi, c'était pas mal de publications Instagram. Donc, en fait, on se rendait compte, au bout de la deuxième année, que les gens avaient vite compris l'intérêt. Parce qu'effectivement, quand on voit le plan avec la ligne verte, on voit qu'il y a quand même une dissémination dans l'espace public des œuvres qui est très importante. Et en fait, le smartphone devient finalement la boussole numérique du curieux. Il va prendre son téléphone et puis il va divaguer, déambuler en ville en se servant de son smartphone et des publications qu'il va y voir pour aller... voir, découvrir de visu les œuvres. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce qu'on a pu entendre, le fait de dévoiler les œuvres sur les réseaux sociaux n'est absolument pas, bien au contraire, un frein à ce que les gens aillent à la rencontre de l'œuvre. Bien au contraire. Effectivement, on constate aussi un côté très instagrammable des œuvres du voyage à Nantes, puisqu'on les retrouve en masse, partagées sur les réseaux sociaux. Donc c'est assez impressionnant de voir ça. Et donc, avec le temps, la nuit du voyage à Nantes a pu s'installer dans le paysage événementiel du début de saison. Ça marque vraiment le coup d'envoi. Et puis pendant cette nuit, les réseaux sociaux nous permettent aussi de passer de l'information parfois pratique. Alors cette année, tout s'est hyper bien passé, il faisait beau, tout fonctionnait bien. L'année d'avant, c'était un petit peu plus compliqué. Donc parfois, ça sert à dire telle opération est annulée parce qu'il pleut, ou telle opération est reportée à tel endroit. Donc c'est aussi de l'information pratique qui est véhiculé. Et puis par rapport à ce que tu disais, Olivier, aussi sur dévoiler les œuvres, est-ce que finalement c'est pas contre-productif ? En fait, on se rend compte que non, et on intervient de plus en plus même en amont du montage des œuvres, ou pendant le montage des œuvres, c'est-à-dire que le fait même que la ville se prépare, que les installations du voyage à Nantes commencent à se monter, enfin on voit ici les nids de Kawamata qui se sont accrochés à une dizaine de monuments de la ville cet été, et bien le chantier même du montage de ces œuvres nous permet d'animer un petit peu l'avant période du voyage à Nantes, de partager, sans tout dévoiler, mais de partager les coulisses du voyage à Nantes. Et je crois que les Nantais aiment bien ça. Il y a une forme d'excitation qui arrive maintenant quand on voit tout ça se mettre en œuvre. Et puis, ça se libère au moment de la nuit du van, qui est aujourd'hui une grande fête très populaire, avec sans doute des milliers, voire centaines de milliers de personnes dans la rue.
Alors, après cette nuit du van, et évidemment tout l'événement, puisqu'on communique énormément pendant tout l'événement sur les différentes installations, sur les différents événements dans l'événement, les formules, les visites, les rencontres avec les médiateurs, voilà, toutes les animations qui sont proposées, beaucoup d'informations pratiques aussi. Notre challenge aujourd'hui, il est différent, il est de faire vivre la destination à l'année. Et c'est vraiment ce qui va nous occuper là, dans les mois qui viennent, de faire passer l'idée d'un voyage estival à un voyage permanent. Notre enjeu, il est que la destination vive tous les week-ends, à chaque période de vacances scolaires. Et donc pour cela, il faut aussi qu'on retrouve une communication qui suivent, hein, sur les réseaux, qui soient inspirantes et qui donnent des bonnes raisons de venir. Alors, c'est plein de questions qui se posent à nous. J'ai encore pas toutes les réponses, mais la vidéo sera certainement un des enjeux majeurs pour nous. On bénéficie quand même d'un fort engagement et d'une forte fidélité des internautes et des fans du voyage à Nantes sur les réseaux sociaux. Et que ça soit pour le compte du voyage à Nantes ou pour le compte des autres entités comme les machines ou comme le château. Voilà. Alors, justement, parlons des autres entités, parce que vous voyez qu'on a donc plusieurs temporalités et on a aussi plusieurs marques à gérer. C'est-à-dire qu'on a l'image globale de la destination à travers le voyage à Nantes, qu'il soit estival ou pérenne, mais il y a aussi les sites que l'on gère et pour lesquels nous avons fait le choix d'une identité complètement conservée. Hein, c'est-à-dire que tout ne se noie pas dans le voyage à Nantes. Et donc, le château des Ducs de Bretagne, par exemple, a aussi ses propres dispositifs de communication avec sa marque, avec son identité visuelle, avec son ton, etc. Olivier, on a d'ailleurs un ton qui est différent selon les plateformes, puisque la population qui va visiter le château, elle est multiple. Donc, on peut avoir des scolaires, on va avoir des ados et des jeunes adultes, on va avoir des amateurs éclairés d'art, on va avoir des familles. Donc ça nécessite d'adapter le ton et la nature des informations publiées en fonction des attentes des publics qui vont fréquenter telle ou telle plateforme. On sait que par exemple le grand public va plutôt être présent sur Facebook, donc ce sont les familles, ce sont ce type de profil, mais on va avoir une communication différenciée, par exemple sur Twitter, où l'on va s'adresser à des gens qui ont plus de notions artistiques, qui sont plus férus d'art. Et à l'opposé, on va avoir une communication beaucoup plus visuelle, en termes d'attractivité, à travers le compte Instagram. Donc on cultive bien ces différentes audiences. On évite surtout d'avoir une logique un petit peu nivelée, c'est-à-dire de faire du multipost, c'est pas du tout l'idée, c'est-à-dire que les publications sont souvent très différentes selon les plateformes de diffusion, parce que ce sont pas les mêmes publics. Et on va, là encore, utiliser tous les temps forts de programmation du Château des Ducs de Bretagne ou du Musée d'Histoire. Je prends un exemple sur les collectes d'objets. Vous savez qu'il y a beaucoup d'expositions au château, les expositions plutôt citoyennes, comme Nantais, venu d'ailleurs, par exemple, qui repose sur des collectes, c'est-à-dire un appel qui est fait aux habitants, aux Nantais, à venir déposer et à venir raconter l'histoire d'un objet. Eh bien, ces opérations particulières sont évidemment pour nous l'occasion de créer des communautés d'amitié, d'intérêt autour du château, ou d'aller chercher des publics effectivement très spécifiques autour d'une thématique qui est traitée par le musée d'histoire de Nantes. Donc voilà pour le château. Alors pour tout cela,
On s'appuie évidemment sur l'organisation du voyage à Nantes, c'est-à-dire qu'il y a une équipe web qui est dédiée, hein, qui dépend du service communication, mais on va aussi travailler avec les équipes in situ qui sont sur site, donc ici au château des Ducs de Bretagne, avec la direction du château, avec l'équipe de médiation, avec l'équipe de conservation, et c'est vraiment un ensemble de personnes qui va faire équipe autour d'un projet pour mener une stratégie éditoriale sur un sujet donné. Hop. Les machines de Lille, Olivier. Alors là, c'est un peu différent en termes d'utilisation des plateformes. Donc, historiquement, c'est la plateforme phare des machines de Lille, c'est Facebook. Forcément, les machines de Lille, c'est une offre touristique pensée pour les familles. Donc la croissance de Facebook ne faiblit pas. On a passé largement les 80 000 followers. Donc ça commence à faire beaucoup. Et puis il suffit de poster notamment une vidéo de l'éléphant ou ce genre de choses pour voir l'engagement monter très très vite. Il y a un an et demi, à l'occasion du Noël sous les nefs, c'était l'ouverture de la page, enfin du compte Instagram. Donc là, c'est pareil, hein, la croissance ne faiblit pas. On doit pas être loin des 10 000 abonnés. Et puis on a aussi un compte Twitter avec, je crois, 7 ou 8 000 abonnés. Et donc, le compte Twitter, on se rend compte que les interactions sont surtout avec des étrangers qui sont de passage à Nantes et qui vont découvrir les machines. On va avoir sur le compte aussi Instagram une grosse utilisation des stories qui sont utilisées pour soutenir les différents événements qui vont rythmer l'année sous les nefs. Donc, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'événements récurrents qui sont Noël sous les nefs, l'été indien, ce genre de choses. Donc à chaque fois, ça fait l'objet d'une couverture d'annonces en amont sur Facebook et Twitter. Et pendant la durée de l'événement, avoir une couverture live qui va prendre différentes formes, du live tweet, de la stories et aussi du Facebook live. Donc ça permet de booster la visibilité de l'événement, d'amorcer la billetterie en amont, et puis ben, surtout de communiquer sur les éléments de programme, et puis de faire vivre par procuration les événements pour donner envie aux gens qui suivent l'événement à distance ben, de venir découvrir par eux-mêmes, in situ, l'événement à sa prochaine itération. Voilà, quelques petits mots sur des opérations spécifiques qui vont intéresser évidemment toutes nos communautés constituées autour du voyage à Nantes, mais peut-être des publics spécifiques aussi. Ici, j'ai pris l'exemple de la gastronomie. Vous savez que la cuisine, c'est fondamental dans l'approche d'une destination. Ça participe de l'image. Or, Nantes avait un déficit d'image en matière de culinaire, de gastronomie, et pas associé à un plat emblématique comme dans d'autres régions. On n'a pas un nombre d'étoilés, par exemple, très, très important. Donc le voyage à Nantes s'est naturellement intéressé à la question de la cuisine, et tout ça très en lien évidemment avec les problématiques qui se posent aujourd'hui sur l'alimentation durable, l'alimentation de proximité, et Nantes est très impliqué aussi sur ces questions-là. Et aujourd'hui, on a une identité culinaire qui est en train de naître, je crois, à Nantes, grâce peut-être à quelques opérations comme les Tables de Nantes. Alors, Tables de Nantes, c'est d'abord un guide, un petit guide d'une sélection de 150 adresses recommandables à Nantes. En tant qu'office de tourisme, c'est très important aussi pour nous d'avoir des adresse à recommander dans toutes les catégories et dans tous les quartiers de Nantes. Donc c'est un jury indépendant hein, qui
qui sélectionne les adresses sur la base d'une candidature, un dossier de candidature. Et puis, on en a fait un site. Hein, donc, ce petit guide, c'est un très grand succès. Le site Internet a suivi immédiatement après, les tables de Nantes. Et puis, du site, on est passé à l'événement. Et donc, ce sera aussi sous une nouvelle forme cette année, à la fin du mois de septembre, le dernier week-end de septembre. Les tables de Nantes, l'événement, ça va être une grande fête des tables de Nantes qui vont être invitées à sortir devant leur restaurant avec des petits étals et à proposer une déambulation. En fait, on va proposer une déambulation dans la ville pour venir goûter toutes ces spécialités. Donc ça, évidemment, c'est un sujet qui intéresse énormément. Il y a beaucoup de communautés d'intérêt autour de la cuisine, autour de la gastronomie et autour des vins. Et c'est aussi la défense du vignoble de Nantes. Et ça nous permet, là aussi, d'animer nos réseaux et d'animer l'événement en s'appuyant aussi sur tous les participants aux tables de Nantes, les restaurateurs eux-mêmes, les vignerons qui vont venir faire déguster leur vin, etc. À chaque fois, derrière ces opérations, c'est toute une communauté de professionnels ou de particuliers qui vont s'intéresser à un sujet et être experts sur le sujet. La dimension collaborative et participative des projets qui sont lancés, elle rentre en résonance avec la notion même de réseaux sociaux. Donc, on se retrouve dans des mécaniques d'activation d'audience qui deviennent extrêmement naturelles, puisque la fidélité des audiences engagées sur les différents comptes à chaque fois devient un précieux relais pour toutes les opérations qui doivent être lancées. Alors, je vous invite évidemment à participer aux tables de Nantes en fin de mois et à vous intéresser à une exposition qui devrait être aussi hautement virale, qui s'appelle le Food Disgusting Museum. C'est une exposition qui vient pour la première fois en France, qui arrive de Stockholm, où elle a été montrée aussi pour la première fois, autour de la culture du goût. Et on va montrer en fait plein de choses absolument dégoûtantes pour montrer comment le goût, c'est aussi une affaire de culture. C'est-à-dire ce qui peut nous apparaître délicieux peut être absolument répugnant pour d'autres cultures et vice-versa. Donc voilà, une exposition qui démarre à la fin du mois et on pourra déguster pour les plus courageux. Alors, un petit panorama des réseaux du vin, une petite cartographie. En gros, global, on compte à peu près 200 000 followers sur nos réseaux principaux. Olivier, je te laisse commencer. Oui, ça devient vraiment conséquent. Hein, donc, après, il faut faire aussi attention à la qualité des publications, parce qu'avoir autant de followers engagés et aussi avec une image très travaillée comme celle du voyage à Nantes, on a quand même un niveau d'exigence de la part des audiences qui est très important. Donc globalement, on va avoir différents types de publications, voire des publications, quoi, des publications d'annonces. Donc ça permet en fait à l'audience d'être au courant des dates, des lieux, de la billetterie, etc., des éléments à venir. Et puis à chaque fois, on va avoir aussi des partages, des relais, des différentes entités qui sont sous le voyage à Nantes, puisque le voyage à Nantes, en fait, les comptes du voyage à Nantes vont servir aussi d'accélérateur en partageant un poste qui émane des machines de Lille ou bien du château, par exemple. Donc cette dynamique, elle permet en fait, elle est faite au cas par cas. C'est pas du tout, encore une fois, d'automatisation. C'est pas du tout l'idée, parce que ça serait vraiment pénible sur les comptes sociaux de retweeter ou de repartager systématiquement toutes les publications qui émanent des autres entités. Bien au contraire, là, c'est fait avec discernement. C'est-à-dire quand on identifie une billetterie un petit peu poussive au lancement, ou si on estime qu'il faut mettre un gros coup de boost sur
l'annonce d'un événement, eh bien, les comptes principaux du voyage à Nantes vont être à la manœuvre justement pour renforcer la surface de visibilité d'une publication qui va émaner, par exemple, des machines de Lille ou bien du château. Donc on essaie d'avoir cette logique à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Ben, c'est que la croissance la plus importante, ça reste quand même, j'ai l'impression, Instagram. Forcément, dans le domaine du tourisme, c'est un point incontournable. Donc Instagram, c'est pratique, mais ça requiert quand même un effort conséquent en termes de production de contenu. Heureusement qu'on a des photographes et une photothèque et puis une habitude aussi de la belle image au voyage à Nantes, parce que la perception du public est une perception quand même haut de gamme. On s'attend à avoir des belles images automatiquement sur un compte tel que le voyage à Nantes. Donc l'exigence, elle est continue, quotidienne et incontournable. Alors, on a pu remarquer sur des plateformes comme Instagram, avec les différents changements d'algorithme, des baisses fortes du taux d'engagement. En fait, pour l'instant, on n'a pas l'air d'être trop touché sur le compte du voyage à Nantes. De manière générale, on remarque aussi une forte portée. C'est encore plus vrai sur Facebook, puisque la portée organique, c'est-à-dire le nombre de personnes ayant une publication Facebook du voyage à Nantes passant dans son fil d'actu, excède largement, en général, le nombre maximal de followers du compte. Alors que généralement, l'algorithme de Facebook, il a tendance à exposer vos publications de manière plutôt castrée, c'est-à-dire que vous allez avoir, quand vous publiez quelque chose sur Facebook, on sait que les standards, c'est aller 10-12% de votre audience totale qui va voir tel ou tel poste. Force est de constater que dans le tourisme, et encore plus, c'est encore plus vrai pour le voyage à Nantes, on n'est pas du tout là-dedans. Alors, est-ce que c'est des faveurs de l'algorithme, ou alors surtout beaucoup de partage? Mais on constate quand même des portées qui peuvent être 3, 4, 5, 6 fois celles de la base de followers installés. Donc c'est vraiment important. Ce qui fait qu'on assiste quelquefois à des emballements assez hors normes sur certains contenus. Généralement, on a ça sur les machines de Lille. Par exemple, il y a une vidéo avec les Nomad Men pendant le Nantes Maker Campus qui a atteint les 170 000 vues. Pourquoi ? Ben parce que c'est le jeu du partage. Et on a eu, il y a 3 ans, on avait la cabine téléphonique avec des poissons rouges dedans. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En fait, c'était une vidéo tout à fait banale où on faisait le tour de la cabine avec les poissons dedans. Et en fait, par le jeu de la viralité, on a dépassé les 950 000 vues. En fait, ça permet de soutenir aussi la démarche, de pousser les limites de la portée du voyage à Nantes, pas dans le virtuel, mais vraiment en tant qu'offre touristique, de dépasser les limites de la zone de chalandise telle qu'elle pourrait être imaginée, et donc de soutenir une internationalisation, une extension de la visibilité de l'offre du voyage à Nantes. Je pense que ça, c'est le message le plus important à retenir. C'est qu'en fait, toute notre stratégie, à mon avis, toute bonne stratégie au niveau des réseaux sociaux repose sur l'offre que l'on crée. Et le tourisme, c'est une industrie d'offres. Et donc, ce que propose le voyage à Nantes avec toutes ses créations d'artistes singulières, différentes, juste, qui nous questionnent, qui nous interpellent, qui font écho aux problèmes de notre société, à nos aspirations, à nos rêves, etc. Eh bien, tout ça, évidemment, ça produit en soi de l'émotion, donc de l'engagement, donc de la viralité. Voilà. Et c'est d'abord par
par sa politique de développement culturel que le voyage à Nantes atteint, je crois, son audience. Alors, un petit mot sur l'international, justement, et notamment sur la Chine, qui est un marché un petit peu particulier que l'on commence à travailler. Jusque-là, la stratégie du voyage à Nantes était uniquement basée sur l'Europe. Et depuis 2-3 ans, on s'intéresse à des marchés plus lointains, parce qu'ils vont constituer les réserves de croissance touristique dans les années à venir, et notamment l'Asie, avec la Chine qu'on ne voulait pas ignorer. Alors on s'est dit, comment est-ce qu'on attaque la Chine? Certainement pas tout seul. Nantes, malgré toutes ses qualités, sa beauté, etc., n'est sans doute pas suffisante pour attirer des visiteurs d'aussi loin. Et donc on a fait alliance avec des destinations complices qui sont Saint-Nazaire, évidemment, avec qui nous sommes naturellement liés par l'estuaire et par estuaire, le parcours estuaire, qui sont Rennes, Saint-Malo jusqu'au Mont-Saint-Michel. On s'est dit, finalement, l'icône de l'Ouest au niveau international, c'est le qui est mondialement connu, c'est le Mont-Saint-Michel. Comment on se raccroche à l'image du Mont-Saint-Michel, à cette notoriété extraordinaire? Et donc, c'est par la création, là encore, d'une offre, toujours un parcours, c'est pas une ligne verte, mais c'est un parcours insolite, différent, qui propose une traversée, qu'on appelle la traversée moderne d'un vieux pays, une façon de regarder ce paysage, de traverser ce paysage et d'approcher cette culture bretonne qui est la nôtre, donc dans un voyage de Nantes au Mont-Saint-Michel. Et pour atteindre notre cible à l'international, on s'est évidemment intéressé aux outils qui étaient leaders sur les marchés que l'on touchait. Et en Chine, ce sont des outils particuliers, et notamment deux réseaux, WeChat, qui est l'outil qui fait tout en Chine. C'est à la fois un réseau social, un mode de paiement, on paye avec, c'est une messagerie, c'est voilà, ça fait tout. Tout le monde l'a en continu et voilà, c'est très 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 utilisé. Donc on a ouvert un compte WeChat sur l'ensemble de ce périmètre où on va poster de la photo, de la vidéo, des témoignages sur lesquels les internautes chinois vont pouvoir rebondir, reposter, publier, etc. etc. Il faut bien comprendre que pour adresser un pays comme la Chine, Facebook, Twitter, Instagram, ce n'est pas possible. Je pense que vous savez pourquoi. On a la grande muraille électronique et donc tous ces réseaux-là sont inopérants, voire interdits carrément en Chine. C'est pour ça qu'il a fallu trouver une porte d'entrée qui soit en phase avec la politique de communication et des plateformes autorisées par le gouvernement chinois. Donc ça oblige en fait à enclencher une autre démarche, aussi bien d'un point de vue éditorial que d'un point de vue de choix dans les vecteurs de communication des messages. Et puis ça nous aide aussi à nous préparer à l'accueil de ces clientèles. Parce que vous voyez le petit QR code qui est là-haut, il est porteur de contenu en fait sur tous les sites traversés par ce parcours. Ça nous a obligés à nous poser la question de la médiation en chinois. Ça nous a obligés à produire des contenus, à les faire traduire et à les exposer in situ, c'est-à-dire qu'aux machines de Lille, on va retrouver ce petit QR code et ça devient aussi un outil de médiation, c'est-à-dire que les visiteurs chinois vont pouvoir accéder au contenu des musées, des expositions, des différents sites touristiques grâce à cet outil. Le QR code, il paraît un petit peu désuet quand on parle avec des acteurs touristiques français, mais il faut bien se rendre compte que dans les pays d'Asie, le QR code, c'est extrêmement, extrêmement utilisé. Que ce soit pour le paiement mobile, pour les informations de voirie, et aussi, et forcément, beaucoup pour le tourisme. Donc c'est des réflexes que tous les visiteurs d'Asie ont déjà. Donc s'il n'y a pas de QR code, ils se retrouvent quand même confrontés à un gros problème, c'est la barrière de la langue. Donc là, ça permet d'adoucir cette difficulté.
Alors, le voyage à Nantes est arrivé au QR code, parce que jusque-là, on avait refusé toute appli, tout QR code, etc., puisqu'on privilégie aussi, vous le savez, la médiation humaine. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais là, malgré toutes nos bonnes volontés, la médiation humaine sur les œuvres, sur nos sites, ça devient compliqué dès lors qu'on va s'adresser à des touristes, à des visiteurs qui viennent de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan, des Amériques du Sud, etc. Voilà. Et puis, juste autre exemple, Mafengo, c'est le TripAdvisor chinois. C'est un site d'avis, un site d'influence qui fonctionne très, très bien au niveau du tourisme. Et là, on a travaillé avec eux, avec les équipes de Mafengo, qui ont été séduits par cette proposition, par ce voyage, et qui nous ont envoyé un groupe de 10 influenceurs très suivis en Chine et qui sont venus pendant 7 jours faire ce voyage, faire cette traversée moderne d'un vieux pays. Ils ont produit énormément de contenu, des vidéos de grande qualité. Tout ça est extraordinaire. En Chine, on a découvert ce monde de l'image, de la photographie, de la vidéo qui est vraiment très, très, très soigné. Et ça nous a vraiment aidé à lancer ce parcours sur le marché chinois, où on va s'adresser à de nouvelles clientèles. Hein, nous, on veut pas, ça ne nous intéresse pas beaucoup de faire venir des groupes de 50 Chinois qui vont passer 24 heures à toute vitesse sur le territoire. On recherche un tourisme à plus forte valeur ajoutée, aussi plus respectueux de notre identité culturelle, de nos paysages, etc. Et donc, ce sont aussi de nouveaux voyageurs indépendants, autonomes, qui évidemment sont très connectés et vont suivre ces influenceurs. Voilà un petit mot sur la vidéo. Évidemment, on a une chaîne YouTube et puis Vimeo. Ça a été un des premiers investissements du voyage à Nantes, que de produire des films sur la destination, et de très beaux films sur la destination, avec des réalisateurs qui travaillent beaucoup, là encore, dans le milieu artistique, dans le cinéma, dans les clips musicaux, et en s'appuyant aussi sur des artistes. Alors, je ne sais pas si vous en rappelez, mais on a travaillé sur des personnages comme Julie Depardieu avec Jackie Berroyer, on a travaillé avec François Morel, avec Julien Doré, donc avec des personnes qui faisaient ce voyage à Nantes, qui s'en étonnaient et qui elles-mêmes ont créé de la viralité, mais surtout des contenus d'une grande qualité en termes de vidéos. Olivier, tu veux... Oui, la vidéo, c'est sans contexte une grosse difficulté pour dans le domaine du tourisme, mais pas que, sinon dans d'autres secteurs, puisqu'on a la vidéo un peu élaborée, etc. Mais entre-temps, l'appétence du public pour la vidéo oblige les organisations à faire un effort supplémentaire. C'est vrai que quand on est habitué à une communication classique... ça peut devenir difficile parce qu'une grosse partie de la vidéo, il va falloir être capable de l'admettre, va devoir être produite en interne. Parce que comme le disait Aurélie, on va avoir des films emblématiques qui vont en fait être des moments forts, des instants marquants, mais à côté, le public a de plus en plus de mal à se contenter d'une photo statique. On le remarque particulièrement avec l'éléphant. Ou si vous postez une photo et si vous postez une vidéo, on se rend bien compte que l'ampleur de l'engagement et des réactions est tout autre quand il s'agit d'une vidéo. Donc là, il faut plus que comprendre la présence sur YouTube et Vimeo comme étant une présence où on va pouvoir retrouver une espèce de portfolio de la production vidéo du voyage à Nantes.
Tandis que sur les réseaux sociaux, on va être plutôt sur de la vidéo courte, la vidéo qui va procurer une, produire une information, procurer un sentiment, l'envie, etc. Donc ce n'est pas du tout le même objectif. Mais c'est vrai que c'est un challenge pour nous, c'est-à-dire faire le pas entre cette production vidéo d'extrême qualité et puis les nécessités aujourd'hui de vidéos au quotidien sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, ça nous questionne sur nos fonctionnements, la façon de produire, la façon de réaliser, de s'organiser pour répondre aujourd'hui à cette nécessité. Hein, on n'est pas au bout encore sur cet aspect-là. Vous voyez le petit logo LinkedIn en bas à droite. Alors jusque-là, tout ce qui concernait le B2B se faisait en fait sur les comptes personnels des salariés du voyage à Nantes. Et là, on a décidé quand même de faire quelque chose, d'être présent sur ce réseau qui nous semble indispensable parce qu'on entretient aussi beaucoup de relations en B2B parce que nous sommes employeurs, nous sommes recruteurs, parce que nous avons... Prescripteurs, absolument, parce qu'on a des partenaires économiques avec qui on échange régulièrement, parce qu'on travaille avec 120 établissements hôteliers à Nantes, avec les restaurateurs, enfin voilà, avec beaucoup de communautés B2B, parce qu'on a des clients entreprises. Le voyage à Nantes gère un service de privatisation, par exemple, de ces sites. Donc, on a aussi toute une actualité, on a des offres, on a des informations à véhiculer en B2B et LinkedIn aujourd'hui est aussi très stratégique pour nous. Donc on a, voilà, c'est tout récent, on a réactivé notre compte avant l'été, on est passé de 2000 à 6000 abonnés en quelques semaines et voilà, je vous encourage à nous suivre. Ça fait une belle progression. Oui, mais c'est bien. C'était nécessaire, hein, je crois. On n'était pas en avance. Voilà, le pas de côté, juste pour vous redire que la créativité, c'est vraiment le moteur de toute notre stratégie sur les réseaux sociaux. Le pas de côté, c'est devenu un emblème aujourd'hui de Nantes, parce qu'il voit juste hein, ce personnage qui représente finalement bien la ville, avec son petit côté bien mis, polissé, bien habillé, plutôt modeste, etc. Mais qui fait ce décalage, qui est capable de ce décalage et de ce pas de côté. Alors, on l'a très bien vu l'année dernière, en 2018, c'était la Coupe du monde de foot. Et quand la France a gagné, eh bien, ça s'est célébré ici, place du Bouffay, avec le pas de côté qui a fait la une des journaux locaux, etc. Dire que la population sait s'emparer, évidemment, de ces installations et de ces œuvres. Et le pas de côté bah, fait sa route aussi sur tous les réseaux. Et puis, il y en a d'autres. Voilà, tous ces dispositifs qui sont à la fois des installations artistiques, mais aussi des façons de s'approprier la ville par les habitants, avec les playgrounds, hein, cette série de terrains de jeu artistiques, comme l'arbre à basket, hein, qui a été découvert par Tony Parker, par exemple, lors d'un de ses voyages à Nantes. On l'a emmené voir ça, il a adoré, il a communiqué, ben voilà, une façon d'exporter l'image de Nantes. C'est rentré dans le quotidien visuel. Voilà, c'est rentré dans notre vie, dans notre façon d'habiter cette ville, d'y amener ses enfants, ses amis, et voilà, ce sont des moments finalement qu'on va partager plus que des œuvres et plus que des installations. C'est de l'expérience. Alors cette expérience, on la veut complète et totale. C'est pas seulement l'expérience de visite, c'est toute l'expérience du voyage. Et donc on s'est intéressé aussi à la nuit, évidemment avec nos partenaires hôteliers.
en développant toute une gamme de chambres d'artistes. On veut que les gens qui viennent à Nantes, à partir du moment où ils mettent le pied à la gare ou à l'aéroport, soient baignés dans cette ambiance de créativité et dorment, voilà, aussi dans des œuvres d'art. Ce qui a été fait, on a aujourd'hui une collection de 6 œuvres et puis des hébergements insolites qui ont été créés et eux aussi qui font le buzz. Je vais citer la Ville de la Cheminée. La Villa Cheminée qui est communiquée dans le monde entier. Je crois que ça, c'est un petit signal que qu'on arrive. Les enseignes des commerçants, ça, c'est plein de communautés engagées aussi. La dernière avec le 14A, avec le haut du 14A qui tombe à la Buster Keaton. Bon, alors si on doit finir, je vais finir sur cette image parce que des fois, ça nous échappe complètement. Et vous avez vu évidemment l'énorme diffusion des photos des statues de Stéphane de Vigny cet été, puisque la société s'en est emparée avec l'affaire Où est Steve. Cette manifestation immobile est devenue un lieu de manifestation. On a décidé évidemment de laisser faire au voyage à Nantes. Ça a été une question, est-ce qu'on respecte l'œuvre telle qu'elle est, comme ça, de l'artiste ? Est-ce qu'on la sacralise ou pas ? En relation avec l'artiste, on a évidemment décidé que c'était ça le propos, c'était ça l'objet. C'était que les œuvres nous questionnent, nous interpellent, font partie de notre vie et tout ça se diffuse. Bonjour à tous. Et du coup, pour remercier du coup le voyage à Nantes et Olivier. Il y a des questions ? Merci, c'est gentil. Je vais partir avant les questions. Et pour clôturer du coup cette première matinée, du coup je vais inviter Mathieu Réquillard, le membre du directoire à la Caisse des Peintres Bretagne Pays de Loire, pour parler justement de l'engagement de la Caisse. Et peut-être qu'on a d'abord des questions. Je ne sais pas si la salle a des questions par rapport à votre intervention. Des points de complément sur ce... sur le voyage à Nantes. Ben merci, en tout cas, c'était très intéressant. Merci de nous avoir fait partager cette expérience. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mathieu Réquillard, je dirige la Banque de Développement Régional à la Caisse d'Épargne. Merci d'avoir répondu à l'invitation donc, de ce Tourisme Digital Day. Vous posez peut-être la question pourquoi une banque aujourd'hui vous accueille dans ses locaux sur ce sujet-là. Je vais essayer rapidement de vous l'exposer dans les 10 prochaines minutes. Ça ne va pas durer très longtemps. Vous le savez, la Caisse d'Épargne, c'est un groupe mutualiste. Alors qu'est-ce que c'est qu'un groupe mutualiste ? Une banque mutualiste, c'est très simple. C'est une banque qui appartient à ses clients. Donc notre enjeu principal, c'est de rayonner sur notre territoire et de participer au développement économique de notre territoire. Donc vous n'êtes pas surpris qu'on parle de tourisme aujourd'hui et qu'on s'associe à cette manifestation. Les caisses d'épargne, c'est 200 ans d'expérience. Donc voilà, c'est peut-être pas très moderne dans l'âge, mais on l'essaye aujourd'hui de l'être dans notre offre. J'ai retenu une chose importante de ce qu'a dit Aurélie tout à l'heure en disant que le tourisme, c'est une industrie d'offre. C'est aussi une question qu'on s'est posée. Voilà, comment on peut aujourd'hui répondre au tourisme. Et je vous le préciserai tout à l'heure, on a aussi travaillé sur notre offre. Alors, Caisse d'Épargne Bretagne-Pays de Loire, c'est 3000 collaborateurs qui sont au service du développement du territoire. C'est près de 400 agences sur le territoire. Donc vous voyez qu'on est très présent. Et notre métier, il est assez simple. On a l'habitude de le résumer comme ça. On collecte l'épargne de nos clients, près de 30 milliards d'épargne. Et la seule chose que l'on fait, c'est qu'on le réinvestit sur le territoire. C'est près de 20 milliards d'euros de crédit qui sont mis à disposition des acteurs du territoire, que ce soit bien sûr les particuliers, mais aussi les professionnels et les entreprises. L'histoire de la Caisse, elle s'est construite aussi à travers une offre très spécialisée. On est la première banque des collectivités locales, donc on est très attaché aussi à l'ancrage territorial des collectivités locales. On est la première banque du monde du logement social. C'est important pour nous aussi d'accompagner le développement aussi immobilier accessible à toutes et à tous. On est aussi le premier acteur de l'économie sociale et solidaire, qui aujourd'hui retrouve aussi un terrain d'innovation très très important. Et puis on est aussi bien sûr présent dans toutes les entreprises,
bien sûr les grandes entreprises, mais on intervient et on développe aujourd'hui aussi une offre aussi pour les très petites entreprises, parce qu'on sent bien que la fibre entrepreneuriale nécessite aussi qu'on ait une offre qui soit vraiment adaptée à ceux aujourd'hui qui ont décidé de se lancer dans une nouvelle activité. L'année dernière, avec le représentant des clients, les sociétaires au conseil d'administration, on s'est posé la question comment on pouvait encore coller un peu plus à notre territoire, à sa richesse. Et il nous est apparu qu'il y avait des éléments forts qui avaient, je dirais, des traits dans notre territoire qu'on ne retrouvait pas ailleurs. Alors, on a une côte, c'est la plus importante de France, notamment quand on parle du Grand Ouest. Donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas avoir une offre dédiée sur le naval nautisme. On a, et je pense qu'aujourd'hui on le démontre, aussi une richesse très importante sur le tourisme. Et quand Aurélie disait tout à l'heure que le tourisme c'est une industrie d'offres, on a pu à travers, je dirais, aller à l'écoute des professionnels du tourisme, qui finalement notre offre généraliste elle n'était pas suffisante, et qu'il nous fallait aujourd'hui avoir une offre dédiée pour accompagner le développement économique du tourisme. C'est pour ça qu'on a lancé une offre dédiée, et il nous est apparu que cette offre dédiée elle devait avoir deux dimensions. D'abord, des chargés d'affaires dédiés sur la partie tourisme, et ça sera le cas là aujourd'hui, avec deux chargés d'affaires qui vont plus particulièrement accompagner les acteurs du tourisme. Donc c'était important. Et ce qui était, je dirais, intéressant, c'est que ces chargés d'affaires, on a fait un appel, je dirais, à l'ensemble de nos collaborateurs pour savoir qui était passionné du tourisme. Et ceux qui ont pris, je dirais, en charge cette activité, on s'est rendu compte, voilà, c'était vraiment pour eux très, très important. On a créé une marque qui va bientôt, sur laquelle on va bientôt communiquer, qui s'appelle Solutions Tourisme. Je pense que tout est dit. Voilà, l'idée, clairement, c'est de coller le plus fort aux attentes aujourd'hui des acteurs du tourisme. Et cette marque, elle portera une offre dédiée. Alors, une offre dédiée, quand on parle de l'hôtellerie, par exemple, c'est comment on traite de la problématique de la saisonnalité. Voilà des sujets. Et puis, il y a aussi, au-delà des hommes et de l'offre, la nécessité aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, le monde du tourisme se révolutionne, le numérique est présent, les comportements changent, on parle des réseaux sociaux, des influenceurs, des avis. Il nous fallait aussi, nous, apporter de l'innovation, et on le fait à travers Solutions Tourisme, avec soit la possibilité de pouvoir proposer à l'acteur du tourisme un espace digital qui soit simplifié, mais avec une solution de paiement innovante. Et puis ça va aussi sur la capacité de pouvoir créer de la fidélité. On a aujourd'hui, pour travailler, je dirais, la fidélité des acteurs de tourisme, des solutions à côté de solutions de paiement qui permettent d'animer une communauté autour, je dirais, de l'offre que l'on porte. Et puis ça va aussi par des solutions encore plus innovantes. On parle de cashless aujourd'hui pour de grands festivals. On est aussi, nous, acteurs de solutions de cashless. Voilà, je dirais, en quelques mots, ce qu'on pouvait apporter sur la solution tourisme. Et puis vous voyez aussi le dernier né chez nous, hein, c'est Vitibank. Voilà, la viticulture est un élément aussi, enfin, est un secteur très fort sur lequel on n'était pas du tout présent. Alors on y va avec beaucoup d'humilité, on a créé cette marque Vitibank, on a aujourd'hui 6 collaborateurs et collaboratrices qui sont au service du développement des viticulteurs. Clairement là aussi on a fait un appel au volontariat, et ce qui était très intéressant c'est les passionnés chez nous qui ont décidé de rejoindre cette nouvelle agence, ou c'est des professionnels de la viticulture qui n'y connaissaient strictement rien à la banque. Moi, j'ai envie de dire que nous, c'est pas très grave. Ce qu'on veut, c'est qu'ils nous apportent leur connaissance aussi. Donc, on a un maître de chez qui nous a rejoint pour nous aider à nous développer sur le secteur de la viticulture. Donc, on a trois agences qui rejoignent, je dirais, le bassin viticole sur lequel on interagit. Une à Clisson, une à Angers et une à Saumur. Voilà, on sait qu'il y a des banques qui sont très ancrées aujourd'hui dans le monde de la viticulture. Mais on pense aussi que nous, on peut apporter des nouvelles solutions avec un regard un peu neuf. Notamment des solutions soit d'innovation, soit de coller vraiment aux besoins. Et puis, dernier sujet, c'est le nautisme, qui est aussi là l'émergence un peu du tourisme. Là aussi, on a aujourd'hui deux chargés d'affaires qui apportent des solutions toutes particulières. Donc, vous le voyez, notre participation au tourisme Digital Day aujourd'hui était importante. D'abord parce qu'on a certainement la conscience qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est fort, sur lequel il faut apporter une réponse
à des besoins très spécifiques et aussi de l'innovation. C'est ce qu'on va tenter de faire en sortant ces nouvelles marques associées à un dispositif d'accompagnement des entrepreneurs. C'est aussi une réponse qu'on veut porter, nous, aujourd'hui, pour accompagner le développement du territoire. Donc, soyez en tout cas assurés qu'on est dans une volonté d'accompagner le développement. Et donc, vous aurez certainement des contacts avec des chargés d'affaires de la Caisse d'Épargne. J'espère que vous leur réserverez le meilleur accueil. N'hésitez pas à venir nous voir, à interroger nos agences. On est là aussi pour vous accompagner. Et puis, on est très, très fiers, en tout cas, d'avoir organisé avec les différents partenaires cette manifestation, parce que je pense que au sein de la semaine de Nantes Digital Week, c'était aussi le sujet du tourisme. Pour nous, c'était important et important de pouvoir aussi partager avec l'ensemble des acteurs ce qui fait le succès ou ce qui fera le succès de demain. Alors, on pourra continuer, en tout cas, à échanger lors du cocktail. Vous avez une offre de restauration qui vous est proposée dehors, soit sous forme d'un buffet froid ou d'un food truck. Donc, profitez-en. Et puis, la journée va continuer avec d'autres ateliers. Merci, en tout cas, de votre attention. Bonne journée à tous et à toutes.